Oula, 7 minutes d'intro, je me suis un peu trop laissé aller à lire le manga. Alors, en même temps, c'est le manga Yu-Gi-Oh! Et c'est le passage où Yugi invoque Exodia sur Comte Kaibar. C'est la base, quoi. Bref, on est là ce soir pour une petite découverte. Je vais faire jusque 9h, 9h30 grand max, je pense. On va découvrir du coup Lost in Random. Et j'ai oublié de remettre mon avatar. Voilà. Donc c'est un petit jeu indé. Je sais même pas si c'est de l'indé. C'est une bonne question. Ben c'est un. Sûrement un double A, je pense. Une espèce d'aventure basée du coup sur le random et les dés. On va voir comment ça se passe. J'avais vu une vidéo de. Je sais plus qui, mais j'avais vu quelques vidéos qui parlaient plutôt bien du jeu, donc je m'étais dit ouais, pourquoi pas. Ça fait une petite 16 je sais même pas si ça se dit. Petit 16 heures en fouillant un peu les trucs annexes, je pense. J'ai vachement de retard sur mon avis. Sur mon retour, est-ce qu'il est... Putain, j'ai vachement de retard sur mon téléphone. Je suis sur quel... Non, je suis sur mon réseau. Bref. Donc c'est 16h. On va découvrir le jeu. Donc on va faire une petite heure et demie, 2h aujourd'hui. On va aller voir les options. On va voir si c'est intéressant. Est-ce que ça me donnera envie de continuer le jeu en stream. Sinon je le finirai peut-être de mon côté ou je n'y toucherai plus si ça ne m'intéresse pas. Les commandes, on va laisser comme ça. Texte et langue. Français. Est-ce que c'est de parler en français, ça m'intéresserait. Affichage. C'est comme ça, luminosité. Pourquoi t'as la violence? Je peux relaisser sa remise? Non. On va laisser ça comme ça. On va laisser ça comme ça. Hein. Hop. Ça, on verra in-game. Enfin, quoi que. D6. J'aime bien le nom. Alors, on va lire hein, du coup. Récupérer des cristaux. Chaque fois que D6 récupère un certain nombre d'éclats de cristaux, vous piochez une carte. Vous pouvez... Putain, mais il y a 13 règles. Oh, on va pas tout lire. On va voir si ça devrait normalement être marqué in-game. Hein. On va y aller. Nouvelle partie. Je connais assez peu l'histoire. Long ago, in a land you might remember from your dreams, the power of randomness was celebrated by all. Those with dice would roll them to shape their destinies, and the bravest few would challenge each other in games of chance. Epic tournaments in which their very lives would hang in the balance. Est-ce qu'on peut mettre pause? On peut mettre pause. Du coup, c'est pas parler en français. Malheureusement, je vais pas commencer à tout lire parce que sinon il y aura ma voix sur les voix anglaises. Le texte en français si vous voulez lire. Si vous comprenez l'anglais, parfait. D'énergie. On peut pas courir. Hold it. Hold it.
Oh, ça me donne une autre arme. Ah ouais. On a un truc à faire ou... J'ai failli juste tuer un seul mob. Dice wielders, and like all eras, it too would come to an end, fading into legend and mystery. Personnages et les objets avec lesquels vous pouvez interagir sont marqués dans point bleu brillant. Our story begins later, in Wancroft, a small village populated entirely by people who have never once been dealt a fair hand. Attention, Wanners! I am the Queen, and my dark dice will decide your fate. Random rules! Random rules! See that, Bernard? You're a sixer. Oh, wow! I'm gonna live in the Queen's Dream Palace for the rest of my... Nuh-uh, you're a dirty three, doomed to a life of fighting and misery. That's cheating! Well, so is having an almighty dice, snake eye. Stop, you guys. Wrap this up. We should really get going. It's just a game, sis. Even I promised Mom and Dad to get you home. The Queen! It's the Queen! Hey, was that really necessary? Come on, hurry up. Now we really have to run. Ah, toujours la bonne histoire des... pauvres habitants qui se font utiliser. Ah ouais, c'est... Il y a un petit côté Tim Burton dans la DA. Enfin... Odd, wait! Stay behind, Mrs. We've got to run home and hide. Now! Super, un père. Ah, c'est le nom. C'est des interactions, il faut pas sauter. Oh, ok. Pas plus mal. Le pauvre mec là. On passe chez lui comme si de rien n'était. Aléa, c'est pour aléatoire. Works for the Queen, kidnapping children for her. Kidnapping? And so the Queen decreed that any child who had reached the age of 12 would be given the grand honor of rolling her one true dice, which would reveal to them their place in the world of hey, random. Guys, check out this secret portal. Bring me all of the children. An old crawl space. It works for us. Nice work, Bernie. Let's go. For the Queen's wisdom is as wide as her power, which is infinite, which makes it very easy for all of you to do what she says, since she is and ever shall be correct. And though you may feel a twinge of emotion when you watch your children move to them, ensure that you are feeling the correct emotion, which is joy.
joy that the queen's plan for us is so grand joy that her one true dies has day. Je vais aller sur les ennemis là au KLM. Of your offspring and joy. Yes, joy. Elle parle grand, beaucoup, un grand-mère. Even Odd, where have you been? We've been worried sick. I'm sorry, Dad. I tried to. There's no time. She'll be here any minute. Quick, get down. T'as la grosse trappe bien voyant. Happy birthday. Oh, Even. And I got a present for you. It's so cute. Make a wish. Ah bah si c'était ça son vœu, c'était rapide en plus. And the queen said every child of 12 years shall throw this supreme dice, and so it was. For random is fair, random prevails, and random rules. Random rules! Be grateful, child, that the queen herself is here for your special day. Ah ouais, ok. Intéressant. Now roll the dice, and let's see what kind of person you truly are. MDR, forcément. No. It had been settled. At least, she'll be a sixer. Stop it! No, even. And so, Odd's destiny came to be living by the side of the Queen up in the Sixer's palace, where, it was said, all dreams came true. But Even's nightmare was just beginning. Ça, quand tu fais un jet critique et que c'est pas bien. Joyeux anniversaire. Ah ouais, très joyeux anniversaire. Odd, where are you? La trappe française est bien, mais l'anglais a quand même l'air un peu plus. I'm coming for you, sis. Hold on, Odd. What the fuck? Faut arrêter de faire des rêves comme ça, madame. Hein. Le gamin, il a fait un rêve chelou, il a dû se pisser dedans. Enfin, se pisser dessus. More than a year had passed since her sister had been taken away from her. Ah ouais, carrément. In all that time, Even had never dreamed like that before. Son lit, c'est une boîte d'allumettes. What the fuck, c'est... ils sont tout petits ou. Even knew she was now awake and knew this was the same house she'd lived in her entire life. But something seemed off. Something seemed different. Or was it simply that she had changed? A portrait of Uncle Jinx
It was said he'd sailed the seven seas and then drowned in the eighth. A painting of Aunt Cordelia. She could play every single musical instrument in Wancroft, which was impressive, but none of them well, which was markedly less impressive. J'aime bien des jeux avec des petits trucs comme An ça. Image of great, great, great grandmother Waters. She was the woman who'd invented sliced bread, which made everyone very excited. Well, before then, they'd just taken great big bites out of loaves. Ah, c'est une belle invention. An image of great, great grandfather Peters, 200 years ago. He ate all his clothing to win a bet. Even supposed that was the reason this portrait stopped at the neckline. Je pense aussi. Even's mother had always painted, and she'd share with Even the stories she'd hidden in her paintings. Wonderful tales of daring heroines and dashing adventure. She told her never to share these stories with the outside world. These stories might upset the queen. And she had eyes and ears everywhere. Oh, it was still very late. Or was it very early? And Even didn't want to wake her parents. Even's father never told her stories. He preferred reality to fantasy. The physicality of hammers and nails to the ephemeral mists of dreams and fantasy. Fantasy. These paintings showed stories Even's mother told her were safe to share, because they were true. Well, so she said. Like the story of the card makers of Five Town, who'd suffered a horrible fate. Je comprends mieux pourquoi même si c'est une zone difficile à cause de quelque chose. Balance de la folie. Ouais, ouais, c'est pas le seul truc, hein. Odd shoes. Heureux. Little parts of her life still dotted their house. It didn't make it a happy house, but that was fine by Even. She never wanted to forget her sister. Ce jeu, c'est Lost in Random. C'est un petit jeu d'aventure où les combats... Enfin, les combats ne sont pas totalement random, mais dans ce qu'on a vu au début du jeu, on récupère de l'énergie qui nous donne des cartes, qui sont dans des possibilités de lancer le dé, et en fonction du résultat qu'on fait avec le dé, on reçoit une arme différente, ce qui change tous les combats. The scariest painting Even's mother had ever made was of the Shadow Man, a mysterious figure who'd gobble up children who ventured too far from home. Even was too old to believe in such stories, or at least that's what she told herself. Et du coup, niveau histoire, on joue le personnage dont la sœur a été enlevée il y a un an dans l'histoire par la la reine. Even's parents had locked the door securely, as they had every night since Odd was taken. D'où le titre Lost in Random, c'est ça. Random étant... Et du coup, ici en français, ils ont appelé ça Aléa, pour aléatoire, ce qui est pas mal, qui est le nom du... Je vais pas dire de la ville, mais du royaume, on va dire. Donc je suppose que notre perso va partir à l'aventure à la recherche de sa sœur. Even stared at the toy, feeling the ground tilt beneath her. That was the exact same stuffed animal she'd given Odd on the night she was taken. Even knew her parents would be heartbroken when they woke and found her missing. But she had to go. She had to know. On peut courir avec elle, hein. Ça aurait été
when she got closer, it moved further away. It was leading her somewhere. Phew! Easy there, Even. What are you doing out so darn late? You're running like the old witch Uma put a curse on you. Il y a des choix. Couleur de la zone sont sympas, oui. Bon, en plus, il fait nuit, quoi. Je suis sur la piste d'un fantôme, je suis sur la piste de ma sœur, je suis sur la piste de... Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est important. On va dire ça, hein. Oh, darling. You're thinking about your sister, aren't you? I feel you, child. I do. But she's been gone now a year. J'aime beaucoup la DA, elle fait un peu... Tim Burton, comme ça. Spécial, mais... Je continue cette folie. Bah, bon courage dans cette zone, hein, c'est vrai que... Il y a... En gros, si t'as pas remarqué, c'est une espèce de gros cerveau en hauteur très loin en... Allez, en... Vers l'espèce de château. Je sais plus exactement à quoi ressemble la zone, hein. Ça fait très longtemps, mais... Et dis-toi qu'il y a moyen de faire tomber ce... ce cerveau. Enfin, cette espèce de cerveau. Mais c'est pas pour tout de suite. Enfin, c'est plus vers la fin de la zone, quoi. Et je crois que si je me rappelle bien, ça monte à une espèce d'ascenseur, c'est une cage, et en plein milieu de la descente ou de la montée, tu peux sauter dans un rebord de fenêtre ou un truc comme ça, et t'as accès à ce passage-là. Et bien savoir que dans ce niveau, il y a quand même encore d'autres ennemis qui font de la folie, c'est pas les plus fun. Laissez-moi passer à ce s'il vous plaît. Toujours être poli. Ah, that spark in your eye tells me you're not fooling around. I remember being your age once, I do. And I know how important imagination can seem. All right, I'll get out of your way. But don't tell your parents you saw me. Deal? Toujours être poli. You're quite welcome, young Miss Even. And stay away from the outskirts. C'est pas ces trucs qui sont des grosses têtes qui flottent et qui t'infligent de la folie. Bah, il y a des ennemis, c'est en gros, c'est des poupées comme la doll qu'on a dans le rêve du chasseur, mais avec des espèces de petits cerveaux tentacules sur la tête. Ouais, c'est... Et du coup, dès qu'ils te voient, ils te mettent de la folie, donc c'est compliqué de les tuer. The world in which Even and her small family live. Like all Wanners, they hauled junk for the cargo ships that came and went in the night. All this labor was done for reasons that were never clearly understood. The Queen willed it, and no one would dare oppose her, and that was enough for everyone. Everyone, that is, except Even. C'est un peu... cette zone, c'est un peu... Ils ont repris ça pour un passage dans Elden Ring, où il y a une tour avec un œil en mode son rond là. C'est bien eux, je les aime pas depuis l'autre cauchemar. Ah ça. Ah, il y en avait déjà dans l'autre cauchemar, j'en rappelais plus. Mais ils ont repris un peu ce principe pour j'ai oublié le nom de l'état dans allez dans Elden Ring, mais c'est un peu ils ont repris ça mais en plus fun, on va dire. Parce que là c'est vraiment genre t'es dans la zone, t'as pas d'indication et tu te prends la flamme exaltée. Là, t'es dans la zone, tu te prends de la folie, c'est horrible quoi. Come on, Burn, just hit it, it's right there. He's trying, Lucky. Oh, shucks, now I'm all out of potatoes. No breakfast tomorrow, and you couldn't hit the spot. Smooth going, Burn. But it wasn't my. I mean, you're the one who. Aw, oh, I guess you're right, Lucky. Ça s'appelle Lucky. Yeah, Even. Are your parents letting you out after dark now? Honestly, Even, I gotta say, I'm impressed. Never thought you had it in you to break a precious rule. Don't be mean, Lucky. I'm not mean. That was a compliment. I think you're cool, Even. Even if you should listen to your parents more. My parents say listening to them is the coolest thing of all. You guys are so touchy. Que faites-vous tous ici?
we're playing. She was talking to me? I think she was talking to all of us. Even we're playing... We're playing hit the pot with the potato. Or rather, I'm playing. These two bloobs are just losing at it. I couldn't sleep. My 12th birthday is coming up. Mine too. Gonna get to roll the dice when it comes. I'm gonna be a sixer. I know it. I'll be saying bye to all you bloobs and hi to the riches of Sixtopia. Bah oui, I'm bien not sûr. A bloob. I'm a star. My mom says so. I'm not a bloob either. What's a bloob? You getting a load of these bloobs even? Ma sœur est devenue une sixaine et je crois que ça ne lui a pas trop réussi. Well, that's just her bad luck. Not the sort of thing I've ever had to worry about. Really? How come? Because my name is Lucky, and... He meant how come he even thinks it didn't work out, Lucky? Oh, that's mysterious. I love mysteries. Have fun with your cool mystery, even. See you later. See you later. How'd you get her? C'est quoi là-bas? Ah oui, pour rentrer... Ah oui, du coup, c'était la place, là. Ah ouais. C'est intéressant. 30, je sais pas quoi. C'est la monnaie du jeu, je suppose. Journal et cartes. Trouver le fantôme. C'est par un étrange rêve. Père se mit à fouiller dans toute la maison sans vraiment savoir ce qu'elle cherchait. À fin de compte, une étrange silhouette lumineuse l'amena au jouet qu'elle avait offert à un père pour son anniversaire. Ce jour maudit où elle avait été enlevée, père était sûr que cette entité était d'une manière ou d'une autre liée à un père. Et que si elle ne la suivait pas, elle ne se pardonnerait jamais. Ah ah. Ah d'accord, faut que j'aille par là. Maison de père. Ah non, ok, ouais, je suis là. Il faut que j'aille devant et puis à gauche. Page du livre, zéro carte, zéro quête. Ok, on n'a pas. Ça revient là. Ok, je vois le cerveau que tu m'avais parlé. J'ai vu en fait quand il met sa folie, je vois que ça s'humide dans le château. Ouais. Ah non, d'accord, je croyais que les flèches étaient là, c'était moi, mais non, en fait, c'est pour dire qu'on peut aller par là. What the fuck? You seem like you're looking for something, kid. C'est une meuf, ok. Ah, I thought I recognized you. You're Odd's sister, right? Did the big roll a year ago, if I recall. She's in the Queen's care now, kiddo. There's nothing any of us can do. Ça, c'est ce que vous that pensez. It is, that it is. But I didn't get this far by chasing after ghosts. And I recommend you do the same, even. Go on home. Your parents will be worried. Ah, mais quelle bande de connards. Ok, le gros œil qui surveille. J'aime bien la DR en vrai. Hein. There, you saw it, didn't you? There it was again. Ah, quelque chose me dit que c'est une quête. Halt! None shall enter the docks tonight by order of Her Majesty. Random rules. Random rules. Gloire à Léa. Whatever that spirit wanted, it seemed to involve bringing Even here. But why?
Random rules, even. Random rules. Ouais, il a pas l'air d'être gentil, lui. Well, 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 well. Look at you. So far from home, and all alone. Qu'est-ce un pédophile? You're lucky the queen is looking out for you, child. You've heard the good news, haven't you? The Queen is a force of nature, like gravity or death. You can't argue with gravity. You don't debate death. You just go along with her, because you know her rule is law. She is eternal. Surprise, motherfucker! Surprise! Supplies, motherfucker. Mais retiré. She's never wrong. She makes the rules. Random rules. And they're always right. It's incredible to live at the same time as such a wondrous being. I hope one day she notices me. Upriding a shining spider stallion. Notices my love for her. Notices my worship. Ok, le mec il est en mode notice me senpai. Petit jeu, comment il va? Bon, on est au début. En gros, on a vu un peu de combat où en gros, on en reverra sûrement. Ça a l'air de se baser sur... tu récoltes de l'énergie. Ce sont des espèces de petits cristaux qui te donnent, en gros, qui chargent des armes, des cartes. Et ces cartes permettent de lancer un dé, et en fonction du résultat du dé, on a des armes différentes, semblerait. On va bien voir plus tard. Et niveau histoire, en gros, on joue une fille dont la sœur a été enlevée à ses 12 ans, car elle a lancé le dé de la reine. Et en faisant, elle a fait un 6, ce qui devrait être une bonne chose, sauf que... Faudrait que j'enlève ces trucs là parce que à force c'est dérangeant et ça me sert plus à grand chose en fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc en gros, en faisant un 6, bah du coup ça lui a permis d'aller vivre avec la reine, sauf qu'elle avait pas envie mais elle n'avait pas le choix non plus. Donc là en gros, notre personnage s'est réveillé un an après, s'est réveillé d'un cauchemar et il voit un fantôme et il suit ce fantôme qui pourrait. Qui devrait lui donner des infos sur sa sœur ou je sais pas quoi, on sait pas encore. More than life, I just want to be her, to be with her, I mean, to feel her hand on my head and know she judged me and found me good. It would completely destroy me. I'd love every minute of it. One town was unique. Some who lived here were kind. Treating the queen with respect, and others seem to have been broken by her in one way or another. But it was home, the only home even Big had ever life. Known. Oh, must be so glamorous. Perso qui s'appelle du coup père, comme père so, et un père. La reine est méchante. Elle a l'air, elle a l'air un peu. C'est en gros, non, je sais pas si on le verra. Non, on le voit pas. À un moment, vous voyez, c'est une espèce de... Elle ressemble un peu au juge dans Solo Leveling. Mais oui, en gros, ça a l'air d'être la méchante. Mais est-ce qu'elle est vraiment, vraiment méchante? Ça, c'est encore trop tôt pour le dire. You ever wonder what life's like in the other zones? Ah d'accord, il y a 6 villes en mode... Ah oui, Sixtopie, c'est en... Là où il y a la reine, du coup, c'est vraiment genre les noms des villes par rapport aux phases des dés, c'est logique. I wasn't born here, you know. I was born in Forberg. Only I,
turned 12 and the Queen came and made me rule. Rule myself a one. She told me I was born in the wrong town, and now I'm here. And I'll never get back there again. It doesn't have to be equal to be fair. That's what my mom always used to say. Before she... before I... well... it's, ancient history now. The Queen works in mysterious ways, and it's up to us to follow her rules. Random rules. I still remember how I felt rolling that dice, knowing what was about to happen. And when it landed on one... gosh... I don't think it's the sort of thing I'll ever forget. Ouais, c'est vrai que... ça serait marrant. Tu nais, tu vis jusqu'à tes 12 ans avec tes parents, et puis après, hop, tu lances un dé. Pauvre, riche. Tu vis dans une catégorie pire, une meilleure catégorie. En vrai, ça va, parce que quand t'es 1, à part rester 1, tu peux faire que mieux. Bon, du coup, tu dois quitter ta famille, mais... à mon avis, on va voir que c'est peut-être pas forcément la meilleure des choses, quoi. By the dice, I'm haunted enough already. I don't need more of them. See you around, kid. Par contre, la VF est pas mal du tout. Elle est bien traduite, je trouve, mais l'anglais, ils ont quand même mieux fait les jeux de mots. Big city life. Oh, it must be so glamorous to be so cosmopolitan. So two-sided. The glory of battle, yours for the taking. I could be a hero. Before the war, it was a sight to behold. Now though, after the Queen ruined it trying to find those awful rebels, it's so dreadful there. Mais c'est de là que tu viens, connard. Faudrait savoir. I hear everyone works so hard there. It's where the magical cards used to be made, you know. Oh, it must be so wonderful there. Be recognized as the best of us. So long. So long. So long, Bowser. J'ai hâte qu'il y a des trucs à péter des fois dans le décor. Je vais déjà aller là. Je crois que c'est là qu'on est passé avec la sœur Tonto. Ah. Il y a un truc à péter. Je sais pas à quoi cette monnaie va me servir, hein, mais j'en récupère. Bon, ça a l'air très, très calme comme endroit pour dormir. Hein. Faut aimer le bruit des... du bois qui, qui se plie. Où est-ce qu'elle m'emmène ? That strange figure even knew that her fate was changing. That her future was suddenly filled with unknowns. And she also had the distinct feeling that she wouldn't be back home for quite some time. Et du coup, t'as pas tiré de dé, j'imagine. Tu veux dire le personnage? Non, il a pas encore 12 ans. Il va avoir 12 ans, je crois. On est dans la ville 1, là. The fuck, c'était quoi? Ça a l'air sympa de vivre par ici. Genre cette dépotoir, bah ouais, semblerait. The fuck, c'est un dé ça. Toute la merde qu'il y a partout. Ouais, je dirais qu'on est au Brésil. La vue de nez.
J'aime beaucoup la DA, ça fait très Tim Burton, un peu l'étrange Noël de Monsieur Jack. Un D5. La queue genre. Mystérieuse carte à jouer. Ces cartes à jouer sont magnifiquement peintes et sous un certain angle les irradient d'une faible lueur bleue. C'est joli en vrai. Point. D'étonnant petit point sur patte dans un bocal en verre. Tire un peu la gueule la gamine, mais t'as vu où elle habite? Elle vient de se... elle a... s'est fait kidnapper sa soeur il y a un an et elle peut rien faire. J'ai l'air, c'est comme les mecs qui habitent en... Je vais faire une fête, je vais pas la finir. Even could barely make out what the ghostly figure was. It was beautiful, inscrutable, and there seemed to be a sorrow to her. On va dire, j'allais faire une blague qui tire un peu trop sur le sur l'actualité. C'est peut-être pas très apprécié sur Twitch, on va dire. There was no time to think. Even was either going home to her parents without answers and with even more questions than before, or she was getting on that boat. She felt a pull beckoning towards something new. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, those are some nice cards you have there, kiddo. You find them yourself. J'ai l'impression que tous les mecs sont des pédophiles, quoi. Tu peux pas me dire qu'elle sait pas sauter quand même. On peut pas sauter. Elle sait sauter, mais c'est des interactions fixes. C'est pas nous qui décidons quand sauter. Well, heck, let me take a look. Maybe these old papers will notice something you haven't. Sorry, sir, but in French, please. Toi, Derek, t'es le... Je sais pas si tu connais. T'es peut-être trop jeune. Ça, c'est la façon de le dire. T'es peut-être trop jeune. Il y a un... Il y avait un moment, un truc de League of Legends où tu voyais un... du cosplay. Et il y avait un Renekton. Il était bien fait. Mais du coup, on lui pose une question en anglais. Et le mec... je suis français. C'est connu de ouf. Peut-être que mes vieux yeux verront quelque chose qui t'a échappé. Well, look at these. Oh, these used to be everywhere, you know that? Oh, folks would trade them on the regular. Used to have quite a collection myself. I got them straight from the factories in Five Tropolis where they made them, you know. Mint in box. Of course, that was before the war. A lot changed that night. Oh, we're still dealing with the consequences. Ça me dit rien comme ça. Bon, je crois qu'il y a moyen de trouver facilement. Hein. Tu tapes LOL cosplay I'm French, enfin je suis français, un truc comme ça. Les conséquences. Yeah, look around you, Missy. This ain't what things used to be. This ain't what things are supposed to be, either. The Queen, she distorted it all. Turned us from good, honest folks into whatever this is now. Only most don't remember it. Only me, it feels like sometime.
Ok, c'était très instructif. Non, je déconne, c'était de la merde. Ok, tous les chemins sont bloqués, mais il y a ça. C'était pour passer, hein. Vingt et une heures ou 21h30 dans ces environs-là, ouais. Qu'est-ce qu'on a là? Une page du livre de compte. Une page illustrée d'un vieux livre de compte interdit. Toutes les pages que vous avez récupérées sont rangées dans le classeur de paires. Oh. Il y a bien longtemps. A long time ago in Random, dice were everywhere and used to decide everything. Wondering what to wear, what to create, who to become. Any question, as long as it could be answered with a number, could be found by the spark of magic contained within the dice. And the king and queen of Random were, well, decent to good. Life was wild. Life was free. Life was Random. A long time ago. Intéressant. C'est pas toi, mais j'ai trop envie d'aller dans la lumière rouge. J'ai pas trop envie d'aller dans la lumière rouge, bizarrement. Non, bah, je crois que personne n'a envie, hein. Je te baise le jeu! J'avais pas vu qu'elle venait de là, la poutre. Putain, c'est un sniper qu'elle a, la gamine. Tu vois un truc, tu le snipes, hein. Safe là, hein. D'accord. Ça tire une caisse, ok. Permettre d'éviter de passer par là. Oh.
Bon, comment je peux faire pour passer? Ah, je passe pas. À mon avis, quand la lumière part. Voilà, on passe par là. Oh, il y a une échelle. Parfait. C'est aberrant dit d'un sniper. Mais c'est ça, quoi. Même les snipers, il y a de la retombée là. Non. Le truc va tout droit. When they were ready, or when they were brave enough, the most courageous in Random would embark on a great adventure, making their way to the Valley of the Dice. There, in that sacred place, they would choose the dice that they would carry with them for the rest of their lives. Although, some would whisper that the choice wasn't fully theirs to make. Intéressant. J'aime bien les DA comme ça. Ça va, la lumière elle vient pas là. La chatte, bon ça va, c'est de l'équilibrage, c'est pas salaud. Ok, Clodo du coin qui veut être tranquille. Bah oui, c'est de l'équilibrage en mode... si tu te fais repérer en étant là... S'il vous plaît, laisse-moi entrer, j'essaie de me cacher. What do you think I'm doing here? We're all trying to hide, kid. Now leave. This is Herman's hidey hole. My little stowaway chamber, my realm of adlubescence that you're not invited in. It's my ticket out of this muddy town. Nirvana? C'est quoi un Nirvana? Ça se mange? It means something that's delightful. Like my room here, I. Wow. You really are just a kid, huh? Well, guess what? I myself was a kid once. Kid Herman. And now I'm adult Herman, and I'm getting out of here. Now go find your own spot. Hippolyte enfant, maintenant je suis Hippolyte adulte. Et Yolin, comment ça va? Ton secret, votre cachette, monsieur, si je puis dire. Ah, ça. Il n'y a pas d'autre coin. There are no... Come on! There's gotta be other spots. Go find them. S'il vous plaît, Hippolyte, ma sœur est en danger. Il faut vraiment que je monte à bord de ce bateau. Oh, for the love of... Fine, fine, you little guilt tripper. I'll let you in. Moi, ça va, tranquille. On a déjà un peu stream cet après-midi, donc on fait un petit stream en soirée pour découvrir Lost in Random. Qui pour le moment a l'air pas mal, j'aime beaucoup la DA, j'aime bien l'univers, l'histoire a l'air intéressante. Sans grand plus, on est qu'au début. J'ai pas eu beaucoup de gameplay encore pour le moment. Et je vais jouer jusqu'à 9h30, 10h. Ouais, 10h grand max, mais plutôt 9h30, je vais essayer quand même. Super! Oh, but before I do, we got ourselves some house rules. One, be quiet. Two, don't touch anything. And three, be quiet and don't touch anything. Be quiet, don't touch anything. Be quiet, don't touch anything. Le mec, il va avoir une cale pour lui enterre, il voulait pas me laisser rentrer quoi, mais quel bâtard. J'espère que tout va bien sur le chat parce que... Par que j'ai une petite extinction de voix ce matin, rien de spécial. Ah merde. J'espère que tout va bien. Enfin, j'espère que ça va mieux, je suppose.
J'espère que j'ai pas loupé de message, parce que j'ai une petite déco du chat, semblerait. Twitch en forme. Now don't make me regret this, kid. I'm stowing away on a quest, see? And if the crew here gets wind of it, both our gooses will be cooked. So just sit here all quiet-like and don't do anything. Ça va mieux, heureusement. Ah, tant mieux, tant mieux. Et justement, je suis une experte en discrétion. Shh, quiet, kid. I can't believe it. You're already breaking rules 1 and 3. Forcément, si on enfreint la 1, on enfreint la 3. Et si on enfreint la 2, on enfreint la 3 aussi. Je suis en vacances. Change rien, je me fais déjà chier. Putain, c'est la base. Et puis quand tu seras au dernier jour, tu seras là, putain, j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais. C'est vous qui avez commencé. Look, I'll tell you what. Just hide between those boxes and don't make any noise. You wanna know about me? Here's a deal. I'm off to find my son, see? I'm headed for the Cardmaker district, 5 Tropolis, so whatever the Queen's calling it these days. And on a encore peut-être changé de nom. Moi, j'essaie de retrouver ma sœur impère. Quiet, kid, or you'll ruin the whole thing. Just go to sleep, kid. I'll wake you when we're there. C'est quoi ce jeu où on ne doit pas faire de bruit? C'est Lost in Random. C'est un jeu. En gros, il y a plusieurs phases. On a une petite phase d'infiltration. Et en gros, le jeu se base sur les combats, sur un système de random, de lancer de dés. Et en fonction du lancer de dés qu'on fait, l'arme qu'on a est différente. On n'a pas encore eu beaucoup de combats, on en a eu un en tout début du jeu, et depuis, c'est de l'histoire en gros. Donc le personnage principal, il s'y perd, qui est à la recherche de sa sœur qui s'est fait enlever il y a un an par la reine. Et donc elle a eu une vision d'un fantôme qui l'a amené jusqu'ici pour partir à la recherche de sa sœur, du coup. C'est un petit jeu indé, j'aime bien la DA. The moment she'd let herself think about it, even realized she was actually exhausted. Tonight alone, she'd seen a ghost run away from home and boarded a ship traveling somewhere deep into the unknown heart of Random. Would she ever return? It didn't matter. Odd was the only thing that mattered. With her sister's name on her lips, Even fell into a deep slumber. Je perds cette reine, on l'adore. Ouais, elle a l'air très très sympa. Hein. Elle a fait une guerre contre les créateurs de cartes. Enfin, les utilisateurs de cartes, je suppose aussi. Ça a l'air d'être quelqu'un sur qui on peut faire confiance pour gérer un royaume. D'ailleurs, vraiment. Ok, ils sont juste en train de flotter en. Pendant un moment, j'ai fait what the fuck? C'était dark, quoi. De père ressemble à celle d'une adulte alors que c'est une enfant. Ouais, j'avoue que pour 12 ans, hello, après... Even. You're home. It's where you belong. Je pense qu'à mon avis, ils ont pas voulu engager un enfant de 12 ans pour faire la voix. Donc ils ont dû prendre une fille avec une voix un peu plus aiguë. Et mais bon. Parce que les enfants, bizarrement, c'est compliqué. Ça ne joue pas bien. Donc ça, elle est pendue dans le jeu. Mais non, ils sont pas pendus, ils flottent, c'est tout.
Odd's in trouble. Trouble is Odd. At least she'll be a sixer. A wanna is a wanna. Is a wanna is a wanna. When you're right, you're right. Even. Come stay with us. Do you want some tea? Et du coup, dans l'histoire, en gros, il existe 6 villes. La 1 étant la pire, où c'est les espèces de taudis en mode Brésil, là, on va dire. Et le plus haut étant là où la reine habite, donc le 6, je sais plus le nom de la ville. Et en gros, on a vu, il y a la ville 2, 3, 4, 5, 6. Je m'en fiche de votre thé, on doit retrouver un père. Why do you need to see her? We've seen her before. Listen to your mother even. Ça a l'air bien anglais, hein, déjà sur l'accent et sur le fait de boire du thé. On peut pas rester ici, c'est trop dangereux. It's a dangerous world out there. Listen to your mother even. Stay here. It's safe here. We'll never leave you again. Not ever. Not ever even. La personne qui fait la voix d'Ellie dans The Last of Us est une adulte, alors que la gamine a au début 15 ans ou un truc du genre. C'est possible. Après, ça dépend tout le temps. On avait vu une vidéo un jour sur la VF de Genshin, ce que la VF aurait pu être. Et ils avaient pris une fille pour faire la voix de Paimon et ça sortait bien, alors bah c'était une adulte quoi. Ça, tout dépend, après c'est de l'anglais donc forcément le timbre de la voix est différent. Après on l'entend pas beaucoup parler père, hein. Seulement dans les cinématiques. We'll always be here, even. You'll always be her, even. Her desires are odd. It's the only way she'll learn. Go, even if you're lost. The queen will find you. Okay, ça a l'air très bizarre. Surprise, motherfucker! Surprise, motherfucker! Ah, c'était bien là que je devais venir. Et bah la voilà, la reine. Elle a l'air tout à fait gentille, hein. Please, please, I want to go. I miss my sister, I miss my parents, I... You're safe now. They can't hurt you anymore. Hurt me? No, that's not right. They never... I don't think they... They were denying you your future. Robbing you of your true destiny. You're finally home. Yeah. Papa et maman sont glauques un peu. Wake up, girl! No. This whole time ship's falling apart. Today's a difficult day for you, Herman. Take one of these bad boys! Bad boy! Has even lost sight of Herman. She realized she'd also lost sight of her last connection to home. Okay. Still alive. I can work with that. As long as I don't land on water, I should be able to work with that. Find time to remember I don't know how to swim. She hoped desperately that she'd land somewhere near Sixtown, but the wind and the fates had very different plans for her indeed. La vallée des deux. Un SSR gratuit en single gratuit sur 7DS. Ah bah allez, c'est la base ça. T'es censé avoir des sorcières avec des cloches qui peuvent spawn des joueurs. Comment expliquer qu'elles ne spawnent pas?
Dans ce jeu-là, il y avait ça ? Oh, ça me dit rien du tout. Elle a l'air toute mignonne, la reine. Ouais. Toujours, les enfants sont facilement manipulables. Ouais, c'est ça, hein. Mais non, ma chérie. Je... Il te faisait du mal, machin. Ouais, ouais, ouais. Tournage du cerveau comme on aime, c'est ça. Ok. She couldn't yet understand it, but even had landed in the middle of something exceptional. These were the ruins of a time long past, and the magic she could almost sense in the air. Wasn't about to give up its secrets that easily. Faudrait qu'il revoie l'intonation par contre. C'est vrai qu'il y a une voix un peu... C'est vrai le fait que, vu que je joue en ligne, les sorcières et cloches ne spawnent pas. Mais y a pas de multi sur Bloodborne, je crois. Y a pas d'invasion, donc. À la limite, ça peut invoquer des fantômes, mais non, ça devrait le faire en offline aussi. Après, je me trompe peut-être. Bloodborne, ça fait très longtemps. Un peu agressive. Putain, mais rien que le look. Le look, il gueule, je te veux du mal, quoi. Bon, y a un petit style, je dois bien avouer, mais. Je sais toujours pas à quoi sert cette monnaie, hein. Bon, on la récupère. On n'est plus à Unibourg, hein, tu crois ? Look, c'est une autre histoire, ça se trouve le gosse aime bien, on sait jamais. Ah. Le boss qui se trouve une passion pour le BDSM, là. Dans la merde. Dans ce temps-là, la gamine en bas. Tu veux de la gamine qui connaisse pas la gravité? Bon, y a pas grand-chose qui a l'air de connaître la gravité dans le jeu. Ouais, c'est ça. Il veut juste faire des crêpes. Bon, des crêpes aux enfants, mais des crêpes. Petite touche d'humour. Voilà. Il est trop choupi le dé, j'avoue. Are you okay? Are you alive? Ça devient violent là sur le chat.
régler ça avec un dé. Ça va être thématique. Ok. Well, thanks for saving me back there. You were really, well, heroic. Right. Okay. Talking to a dice. I better get going. C'est la folie, ma vieille. You should too. This place is really dangerous. Putain, les bruits, ils sont trop... Mais c'est une lanceuse de dés, père. I mean, I guess you can tag along. The more the merrier, right? Il est trop bien, le... Le... Okay, even keep it together. Le trophée. Keep your dice now, even. And to yourself. Ah d'accord, on peut contrôler comme ça. Mais faut que je reste sur la place. Nice. Intéressant. Not a trap. C'est ça. C'est vrai que là, vu la créature... Carte. Le dé. Hey, those are mine. You don't just take things from people. Ugh, fine. You could hold on to them, I guess. Just don't digest them. C'est le sacré des créateurs de cartes. Bah, je crois que c'est le... Comment ils appelaient ça la vallée aux mille dés. C'était l'endroit où les gens venaient chercher leur dé, on va dire. Il y a un peu le... un peu le... Comment dire? Ouais, choper des cartes. Plein de cartes. Le magasin d'Ollivander de Harry Potter. Ok. Jetons cartes. Lorsque vous lancez des 6... Oh, c'est le nom du dé, c'est trop bien. Vous gagnez autant de jetons cartes que le résultat obtenu. Ils sont indiqués dans le coin supérieur droit de l'écran. Utilisez les jetons cartes pour activer vos cartes. Pour savoir des dimensions, attaquer un ennemi ou appuyer sur triangle. Oh, it was clear that these were no ordinary cards, and Dicey was no ordinary dice. Something extraordinary was awakening. J'ai pas visé. Zéro, ok. Even didn't understand what was happening to her and her new dice friend. But she didn't need to, for there was another, more obvious truth that she understood completely. She was truly and inarguably kicking robot butt. On a fait combien? Deux à nouveau. Ça fait quoi? Offre à pair un jeton carte. Quoi? Ah d'accord. Ah d'accord, c'est comme ça qu'on soigne. Ah ouais. Même se soigner, c'est aléatoire. On va te sortir que c'est le dé original à la fin. Ah, oh, je sais pas. Hein. Maintenir deuxième attaque. Initie la durée butilée et augmente sa puissance. Bah let's go, hein, plus puissante.
Even and Icy were moving as one, an unstoppable fighting machine. Et du coup, les combats, on a qu'un deck aussi. C'est pas genre infini. C'est pas mal. Invoque une bombe, tirez dessus ou frappez-la pour l'activer et mettez-vous à couvert. Ah, stylé. More cards. Oh, I wonder what these do. Donc en gros, choper le plus de cristaux, c'est peut-être pas forcément intéressant parce que ça veut dire qu'on perd beaucoup de cartes. I should probably know your name. Right. Well, how about if I just call you Dicey? Perfect. Well, let's see if we can find a way out of this place, Dicey. Bon gros popping en fond d'écran là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. To the entities that slumbered in this long-forgotten world, even had just become interesting. And that now was just simple on set. Ah, bon bah. De déphasage lorsque Père est sur le point d'être touché, appuyez sur rond pour effectuer une esquive de déphasage. Je suis en train de choper tout mon deck là. Quel deck sur Ignatius quand se réinitialise? Ah, j'ai plus assez. Ah, si, j'ai assez. Qui est vide hein, donc 50 pièces devise pour acheter les cartes dans la boutique de Massien et Index. Ah, c'est à ça que ça va servir. Intéressant. Du coup, faudra faire un deck. Mais 100% que ça. Bon, on verra bien. Hein, on va faire le jeu. En vrai, le jeu est intéressant. Hein. Les phases de gameplay sont pas mal, elles sont pas Oh, petite fresque en mode un humain et son dé. Ah ah. Du coup c'est pas mal, vraiment genre là j'ai utilisé toutes mes cartes. Bah, toutes celles que j'ai pas jouées, elles sont perdues, donc dans un deck, je sais pas combien il y aura de decks. La vallée au 1000 dés. Il me faut encore une carte. Je sais pas où on l'a. J'ai pas encore accès, mais en même temps, j'ai pas assez de cartes. It's like something out of mom's drawings. Des anciens.
Non, mais il parle comme le... C'était comment le gamin dans le... la famille de la jungle, je crois. C'est un vieux dessin animé. T'as un gamin, il parle mais vraiment comme ça, quoi. Bonjour. Pas à peine de le prendre sur ce ton. On dirait une baleine. Les OD sont-ils tous endormis? Tu veux dire qu'ils attendent leur propre lanceur de dés? Reste calme. Qu'est-il arrivé à cet endroit? Ça date de fou, ça. Ouais, bah... Ça passait déjà quand moi, j'étais gamin, alors... Enfin, gamin. T'as vu personne comme moi depuis des décennies. Je crois qu'on peut dire que je suis une lanceuse 2D à présent. Tu peux t'aider? D'accord, d'accord, j'ai compris, je ne suis pas la bonne personne. J'espère qu'un jour quelqu'un viendra pour toi aussi. Mon petit doigt me dit qu'on aurait bien besoin d'un coup de chance tous les deux. Une carte. Verrouille cible. Utiliser. Appuyez sur R3 pour verrouiller la cible sur un robot. Utilisez RS pour changer la cible. Et puis une nouvelle fois sur R3 pour déverrouiller. Après, il y a deux chevaliers, donc ouais. La bombe. Let's go. Mais il y a des cartes qui reviennent. Oh. Un. Bah, let's go, on va remettre durabilité de l'épée. C'est vraiment stylé, un petit côté gestion des dés, tout ça. 50 pièces. C'est quoi ce bordel, un corbeau à tête de chien et un chien à tête de corbeau?
Il y avait pas de une carte quelque part? Oh, ça sent le boss. These colossi were indeed colossal. Things were looking grim. D'énergie hors d'atteinte, souvenez-vous, pouvez envoyer des D6 en visant en destination. And while I know it's always disappointing when what you thought was a novel turns out to be a very short story, all I can do is apologize. Si on fait un 2, ah, ça fait bien ça. Ça on fait. Putain, mais j'ai plus. Oh, c'est de la merde. Je fais la bombe. On va faire la bombe, hein, c'est fort. Encore la bombe. On peut avoir l'arc sur ce genre de boss. Bénédiction du lanceur. Par la grâce des lanceurs de dés du tour jadis, chaque carte dans la main de paire coûte un jeton de carte. De moins. All right, Dicey. You're quite something. Mais je vois vraiment que le... Je cherche la vengeance. Ce que je fais ici, je cherche ma soeur. Elle était enlevée par une méchante reine. Elle a lancé un dé maléfique et elle s'est retrouvée en Sixtopie. Bon, elle a été enlevée par une méchante reine. J'aurais pas dit mieux, mais en fait j'ai question à te poser. Comment tu fais pour parler avec ta tête? C'est quoi cet endroit? Tu veux bien expliquer ce qui vient de se passer? C'est qu'il te manque des points? C'est quoi ton vrai nom déjà? Bon, il est temps d'y aller. Comment tu fais pour parler avec ta tête? Ça va faire mal à la tête, non? C'est quoi cet endroit? On va aller au 1000 dés. Je crois que le dé de la reine était unique.
mère m'a raconté des histoires de dés et de lanceurs quand j'étais plus petite, mais je croyais que c'était juste des histoires. Pour Eskin, j'ai réussi à choper tout le set de Margaret, me manque plus que Gozer. 90 diamants à envoyer à la benne. Ah. C'est-à-dire que tu es prêt à être lancé? Ça ne te dérange pas? C'est bon à savoir. Si jamais j'ai besoin de mettre le bazar quelque part, je te ferai signe. Ouais, toi t'étais là. Et les robots, boum. Ok, on est vraiment ce qu'un enfant dirait. Tu sais qu'il te manque des points. Je suis vraiment désolé. Donc si je comprends bien, on doit d'abord trouver des points. J'ai déjà trouvé des points et un pointicien pour te réparer. Boup boup. Ensemble, on peut tout faire. Bon, il est temps d'y aller. Merde, c'était la dernière question. Bon, c'est pas grave. Toi et moi, on va rendre à Elea son caractère aléatoire. Merci, Desi. J'espère juste qu'un père est toujours en vie. J'en suis sûr, même, on va la retrouver. On s'en fout d'un... On s'en fout d'aller, moi je veux juste retrouver ma sœur. Even and Dicey finally had a moment to catch their breath. Take a breather and... Dicey, wait! L'aspiratron. Ouais, ça bug, hein. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Il y a un tout petit côté Little Nightmare, j'ai l'impression. Surtout quand on voit le perso comme ça avec un truc sur la tête. I've always been here. Sympathique, dis donc. Look at the dirty trash, Cyclops. Shut up! Shut up! Shut up! Shut! What is going on here? The other kids, they said I was a filthy oneer. She is. She's not a sixer like us. Oh, the dice doesn't lie, children. Yeah, but she was just lucky. She's a oneer. You can smell it on her. Oh. You think you're smarter than the Black Dice? I just... Oh, so now you're saying she is a sixer after all. So you've lied to me either way. Lying should be punished, Odd. Don't you agree? You don't have to. I was just... Now, there's no room for pity.
Either everything's fair, or nothing is! C'est bien, donc même quand t'arrives dans la meilleure vie, si tu viens de la première... Off to the garbage for you! I'm not garbage! Well, agree to disagree, love. What's this? A lunchbox? Ha! A living lunchbox! Monster! I'm gonna tell the mayor! T'as un univers bien spécial. Well, we're here. Let's see where here is, Dicey. La ville est quand même compte de deux cités. Comprenez où vous êtes. Even had a feeling. Call it a hint that her new friend Dicey would be able to open that door for her. All it would take would be a roll. Or two. Hmm. Non, c'est ou deux. I was just going to say that, but what did it want? Le narrateur, oui, j'allais le dire. Did you hear? The new moon is finished. It is wonderful to finally look up at the sky at night and see two perfect moons. Ah ouais. Ah non, mais il y a qu'une seule lune, mon gars, l'autre, vous l'avez créé. Hein. When it comes to the new moon, I'm of two minds. And they both love it. T'as la voix. Mec, à la fin, tu sais faire un accent raciste. Ok. On aurait dit quelque chose qu'on pouvait attaquer. Good morning, world! It's a beautiful day! My favorite kind! Any second now. Cursed too. Though I suppose you can't have the sweet without the sour. Attention to town. Now hear this. The queen is wrong, but true. I repeat, the queen is wrong, but true. Her will is now manifest. Long may she reign. Random rules. Oh, a two! What a delightful! Way to make a perfectly awful day even worse. Another dreary day, everyone. Just muddle through this horrid life until death finally claims us. Shut up! Le shut-up, je m'y attendais pas, hein. Et donc la reine, elle a lancé un dé, ça fait 2 et... Rue à double sens, rue marchande, square du 2.
dernier. Ici, par là. Sympathique. Oi, what are you looking at? Ne parlez pas sur ce ton, c'est un poisson. No, I know I did. We've got enough problems here without strange weirdos wandering around town. Bizarre ou il n'y a pas de mal à être bizarre? Il n'y a pas de mal à être bizarre. Just keep telling yourself that, kid. And while you're at it, tell yourself that you're not missing anything by having just one personality. I seen you when the dice got rolled. You didn't change a bit. That tells us you're not from Two Town. I reckon you're a wanna, and you don't belong here. Ah d'accord, ils ont deux personnalités en fonction du... Quand ça fait un 2, ça change de... Non, j'avais pas vu en gros. De personnalité. C'est quoi la carte? It seemed to even that there were two sides to every story, especially here in Two Town, where even the residents seemed to be of two minds. Ah. Mais, genre, j'étais pas dessus. Ah d'accord. Putain, je peux l'envoyer cambrioler quoi, ok LM. Y'en avait pas un là? C'est rentable hein. C'est ça, va chercher. Piou piou piou. Je me dis que c'est la suite par là, donc on va aller voir un peu aux alentours. Et par contre, quand tu cours, ton perso c'est un bateau, hein. Il tourne plus. Ah bon, en fait, ça revient à la même chose. Oh, hey, I've got cards to trade. Cards, cards, I've got cards here, the greatest cards in the land. From my body to your hands. Vous voulez dire des cartes comme celles que j'ai récupérées? The very same. Why, I've got the best cards in all of Two Town, only for the most discerning of customers. Ooh, I can tell you've got an eye for cards. Always terrific to meet another card of sore. Many decks at your service. Many decks. Maximilien Dextre. Un Dextre, ouais. Ah, c'est mieux en anglais quand même, hein. En mode deck. Une carte esseuse. Yes, of course. It's a combination of card plus connoisseur. It's a portmanteau, you see, which I guess is itself a combination of ports and mantos. Whatever those are. Now listen, since you're a fellow connoisseur, and since business is slow, I'm gonna do you a solid, mate. Old Manidex is gonna give you a lovely binder to hold your cards in. On the house. We'll just need to teach you how to use it. Récompense classeur de cartes. J'aime bien parce que là, la traduction en français, elle s'est barrée, elle en a eu marre. Hein. Il a pas l'air commode, je trouve. Parce qu'il a une armoire sur... C'est ça? C'est un bon chien, ton dé, tu trouves pas? Ouais, quand même. Hein. Il me rapporte du pognon, ça va. Moi, je veux un chien comme ça aussi. Pied sur rien pour naviguer. Si votre classeur de cartes. Vous pouvez examiner ou modifier votre paquet. Passez-vous sur une carte de votre paquet ou de votre inventaire pour afficher une description composée des éléments suivants. Guide, description de l'effet et type de carte. Il existe un petit type de carte.
Armes, dégâts, défense, danger, triche. Ceci est votre inventaire, dans lequel vous pouvez voir toutes les cartes qui ne sont pas dans votre paquet. Ceci est votre paquet. Il contient les cartes que vous utilisez au combat. S'il y a moins de 15 cartes dans votre paquet, celui-ci est automatiquement rempli avec des cartes de votre inventaire. Pour l'instant, vous possédez moins de 15 cartes, mais dès que vous aurez 16 cartes ou plus, vous pourrez personnaliser votre paquet. Et vous souhaitez appuyer de nouveau sur pavé tactile pour quitter le classeur de cartes. Ah ouais, il y a... quelques cartes. Now then, what with that shiny new binder with all those blank pages in it, you're probably in the market for some new cards, eh? Well, good news! It just so happens I've got the greatest cards in the land from my body to your hands, ha ha! And at the best prices too. Vous êtes né comme ça ou c'est un choix de votre part? Mate, we're all born one way. And we all decide what we want to do with that. I was born with an interest in trading cards and decided to absolutely lean into my interest in trading cards. All the way, mate. Woohoo! Ha ha, no regrets. Heureusement, votre corps m'intrigue beaucoup. Shoot! Vous êtes vraiment une armoire? I'm a store! My mother was a hardware department and my father was a cash register. But that's a story for another time. Vous plaisantez. My three little children are just tiny retail displays now, but they're getting bigger every day. Tout le monde a une boutique dans votre famille? Is everyone in my family a store, you ask? Honestly, I think the answer to that is pretty obvious. See? Glad you agree. Then we both agree the answer to that question is pretty obvious. Viennent vos cartes. Where do I... Oh, mate, if I tell you my sources, what's to stop you from turning your body into a store and setting up a competing shop, eh? I ask you. Ma terrible envie de... ne pas le faire. An interest that will soon wane the more you study my glorious body. I'm afraid I can't tell you the provenance of my cards. Just that they're an amazing deal. Best in random, only in random. Bon, du coup, je voudrais acheter des cartes. J'ai vu la boutique de cartes, elle est un peu vide pour le moment, rectifions ça tout de suite. Danger, triche, dégâts. C'est quoi danger? À la boutique. Magnifique, vous pouvez désormais acheter ces cartes tout juste débloquées. Vous voyez cette jauge de pièces sur la droite? Chaque pièce que vous dépensez à la boutique remplit la jauge. Lorsque celle-ci est pleine, vous pouvez choisir un nouveau paquet de cartes et ajouter à l'assortiment. Plus vous achetez de cartes, plus il y a de cartes disponibles. Les clients auront droit à une belle surprise débloquer un maximum de cartes pour découvrir de quoi il s'agit. Ok. Bêta marteau. L'esprit de W se manifeste sous la forme d'un puissant marteau au pied sur carré pour frapper, blablabla. Putain, 240, c'est cher, hein. Donc une horloge qui garantit les adversaires pris dans la poche dimensionnelle, durée 10 secondes. Étape numéro 1, invoquer 3 bombes. Étape numéro 2, tirer pour activer. Étape numéro 3, admirer le feu d'artifice. 20 critiques, invoque un icosaèdre démoniaque qui blesse toutes les créatures sur son chemin et rebondit sur les obstacles. Espérer au bout de 20 secondes. Intéressant. Donc le point surpuissant. Un puissant d'un roi qui frappe tout adversaire situé devant lui. Ça coûte pas cher, ça. Invoque la bulle protectrice à sortir de la volée et protège intégralement père pour contre un coup. Ça coûte rien en plus.
Ouais, ça on va prendre. Imprudence, une malédiction de faiblesse s'abat sur les adversaires à portée. Malédiction est levée au bout de 20 secondes. Truc de soin, coup de chance. En vrai, le marteau, si on l'a, ça peut être fort. Il me reste combien de pognon? 220. Le D, 2, faut voir ce que ça fait. Combien? 190. Ah, j'ai pas assez pour... J'aurais bien pris la main, là, mais on va prendre... Bon, j'aurais aussi un cadeau pour récompenser de votre fidélité. Puis sur haut ou bas, vous pourrez utiliser une broche dorée dans la dimension et conserver une carte dans votre main jusqu'au prochain lancé de dés. Plus vous êtes broche, plus vous pourrez conserver des cartes. Ah, d'accord. On va prendre des cartes de défense. Il y a toujours plus de d'étreintes d'Uma. Copier l'élixir qui restait une portion conséquente de la santé de père. Ok, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Cloche de Natalia, invoque une cloche curative qui sonne le lanceuse de dés lorsqu'elle se trouve à proximité. Durée du sort 60 secondes. Pour 1, c'est pas mal, hein. Faut voir combien ça soigne, mais... Bon, de toute façon, j'ai 30, j'ai plus rien. Oi, oi, many decks here, card in... Oi, oi, many decks here, card enthusiast and living store at your service. Ok. On va un peu continuer. Even was beginning to learn a lot about this new part of random, but not, unfortunately, how to escape it. J'ai combien de cartes par contre? Merde. Je peux voir combien j'ai dans mon deck? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11. Ah ouais. Ils auraient quand même pu mettre un compteur dans les... Parce que là, je comptais à la main. C'est un peu dommage. Ah, il me faut une clé. The door was locked. Perhaps someone nearby was in possession of a key. Have you seen the upside downtown? I'm building it. La ville à l'envers. The flipped city in the sky. You can't miss it. It's not just me, of course. Lots of construction jobs up there. That whole site was designed by Her Royal Highness, the Queen. It's the ultimate expression of Two-Town. Name Smokey, by the way. Du coup, tu fais quoi? Je continue un petit peu, mais je vais arrêter dans pas longtemps, je pense. Vous voulez dire qu'il y a deux doubles villes? Il y a une bonne et une mauvaise Blueville. Ça fait un peu genre le sketch des inconnus. Is that what you think we are? A city full of evil twins? Well, we're not. We're a city of halves, and every half is divided differently. Some down the middle, some across the side, some with a little sections here and there that add together to half. Everyone is different. Some call the upside downtown a mere distraction, a minor obsession of the queen designed simply to keep us all busy. You know what those people are called? Par leur nom? On va aller jouer son jeu en détraître. That's it. The queen is amazing. Her ideas are amazing. The new city reflects that. It's the ultimate expression of Two Town, what it was always meant to be. Two cities in one. J'ai cru qu'il y avait un truc à péter là. Je commence à fatiguer. Je pense que demain je vais prendre la journée, il n'y aura pas de stream. Ah. It's the Queen's Royal Robot Guards. She had to think fast. She had to roll the dice. Quoi? Un. Encore une chance, j'ai ça. Merde, mais ça coûte un.
fais ça. C'est vrai que je la garde. Elle reste à deux, elle reste à deux. Ah, c'est un par combat. Ah non, tant que je garde la... D'accord, ok. T'as la violence de la masse. Oh putain, il y a encore des... Oh, la violence. Là, il y en a encore un. Nicolas est mort. Déjà, putain, j'ai jeu, hein. Il est pas facile, Nicolas. Oh, j'ai perdu l'arme. Ça, j'ai de quoi jouer. J'ai fait un, nique ta mère. On va garder ça, hein. C'est quoi ça encore? Ah ouais, donc quoi que le dé, ça peut être marrant. Si pendant la route j'ai remarqué des pleurs de bébé. Ah. La bulle. Ouais, il est vénère. Ça c'est gratos. C'est pas terrible. Ça peut être fort dans une... Alors ça y est, on va récupérer une épée là. Ça, on améliore l'épée. £110. Ah ouais. La clé. Délicate créature en bronze en unique but et de vie d'ouvrir une porte bien précise. Bon bah il y avait le truc au milieu mais sinon il n'y a rien d'autre. Bon, du coup le coup du dé là dans une zone, une petite zone, ça peut être fort. Là, forcément, c'était pas terrible avec le truc au mieux. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Hey, you. Come here, Tick. Qui êtes-vous? Question's not who I am, love. It's who you're with. That six-sided fella by your side. Tell me about him.
C'est t'as un chien déguisé. Un robot, un incroyable homme mécanique. Alors c'est pas un bonhomme, et ensuite rien ne m'oblige de vous répondre. C'est un chien déguisé. That ain't no dog. I think you got one of them dice by your side. See, most people wouldn't recognize them no more. They've been extinct for so long. Banned by the Queen, and she's got a terrifying black one. The only one left in all the land. Or so she thinks. Je vois vraiment pas de quoi vous voulez parler. I'm sure you don't. Having a dice is treason, after all. Be careful out there, love. There might not be many of us left who know what you're up to. But you can't fool everyone all of the time. See you around, kid. So, it does speak. And with the ancient dice tongue. How intriguing. Bien décis, on y va. Au revoir, madame. So polite, so stoic. The queen will like that. La reine va apprécier. Bah, let's go. I don't know, Dicey, but I didn't like her one bit. Architecte. Nouvelle étape atteinte, niveau de trophée supérieur. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que cette supercherie? Vous avez monté votre niveau. Ah d'accord, j'étais à 419, je viens de monter niveau 400. C'est ça? Je savais même pas qu'il y avait ça. En même temps, putain, vu le nombre de trophées que j'ai. Pêche illustrée d'un vieux. Life was insane and beautiful. A glorious mess. Those who wielded dice would challenge each other in grand board game tournaments to win favor from the king or queen, or even just each other. The rules were wild and capricious, the games even more so. And everyone in Random loved them, and the dice wielders themselves, with all their heart. Intéressant. Bon, du coup, on va aller près de la porte et on va arrêter là, je pense. On a une. C'est une belle découverte. Et le jeu a l'air vraiment intéressant, donc pour ça, c'est vraiment cool. Voilà. Il n'y a pas d'option pour sauvegarder. Du coup, on va passer ça. J'espère que ça va sauvegarder. Sauvegarde en cours. Voilà. Ouais, ça a quitté instant, hein. Il n'y a même pas eu de... Vous êtes sûr? Du coup, c'est une belle découverte. Vraiment, le jeu... Bon, quand j'ai vu les quelques vidéos et les quelques avis de ceux que j'avais vus, ça avait l'air d'être pas mal. Donc, je partais pas non plus totalement dans le... L'inconnu. Putain, je galère à trouver le mot. Du coup, on continuera ce jeu. Je vais essayer de le faire avant de partir en... Ce que j'appelle en hibernation. Quand je pars et que je stream pas pendant pas mal de temps. On va essayer de se le finir. On fait 16h, donc en faisant quelques streams dessus avant que je parte. Je sais pas encore quand je pars. Je sais que je pars pas avant le 2.
Mais j'ai pas encore décidé quand, donc on a encore 2 week-ends, je pense. T'es optimiste quand même. Bah, y a moyen en vrai, hein. Si on passe quelques soirées dessus et qu'on avance bien. 16h, là on a fait 2h. Donc en soi, on avance, hein. Non, vraiment, le jeu est cool. On fera un peu de SRT quand même, et puis on verra bien. J'essaierai de quand même pas mal prévisiter ce jeu pour le finir avant de partir. Parce que j'ai pas envie d'arriver à la fin et de pas le finir. Je vais essayer de mettre les parties sur YouTube pour ce jeu-là, parce que c'est assez intéressant. Bref, donc comme j'ai dit, demain, comme je dois me lever tôt pour aller chez le dentiste, à mon avis, je vais pas être en grande forme. Peut-être un stream dans l'après-midi, mais il y a très peu de chances. Donc si jamais vous l'êtes au courant, je préviendrai sur mon Discord. On va mettre le lien, si je trouve la bonne. Donc sur mon Discord, je préviens quand je compte streamer. Enfin, je mets déjà, il y a le bot qui dit quand je lance un stream, pour avoir une notification. Et j'essaie de prévenir un peu quand je sais comment je peux m'arranger. Donc demain, je pense, ça va être repos. Ou alors un petit stream dans l'après-midi, mais il y a peu de chance. Et je pense qu'on se retrouvera du coup mercredi. Ça devrait aller. Je me lève un petit peu plus tôt que d'habitude, mais je me lève quand même normalement. Donc je devrais être en forme, peut-être pour faire un stream en matinée ou en soirée. En après-midi ou en soirée, on verra bien. Mais je pense que mercredi, il y aura à nouveau un stream. Sur SRT ou Lost in Random, je ne sais pas encore. On verra bien. Sur ce, on va se mettre en ending. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vais pas faire de raid. Je sais pas chez qui envoyer. Passez la soirée où vous en avez envie. Hein. On se retrouve mercredi ou demain sur Discord. C'est très indécis tout ça. Je vous fais des gros bisous, passez une bonne soirée et à la prochaine. Tchuss!